ici à Brive pour ces 92e ISDE. Dès le matin, on a fait un petit peu de mécanique en équipe de France. Certains ont changé un pneu, d'autres, comme Loïc Larieux par exemple, s'est occupé de son étrier de frein qu'il n'avait pas bouclé hier soir avant de rentrer au parc, ce qui lui a valu d'ailleurs une petite minute de pénalité. Ça a été un peu le coup dur pour l'équipe de France. Et ça tombe bien, la mécanique, puisque c'est le sujet du jour. On va suivre les mécanos, les suiveurs, voir leur rôle et les particularités de la mécanique au 6 jours. Et puis bien sûr, les performances de nos bleus. Pour les 6 jours, les ISDE, c'est que les pilotes qui font leur mécanique au total. Les mécaniciens ne font que s'occuper de tout ce qui est liquide, essence, huile, liquide de frein et ce qui s'ensuit. C'est un peu bizarre d'être à côté et de ne pas pouvoir toucher la moto pour remettre là-haut, parce que nous, on a l'habitude, ça nous prendrait quelques secondes pour la remettre. Mais... Du coup, on est obligé de guider le pilote et le forcer à vérifier un peu tout à chaque CH et le soir à la mécanique. On est toujours tenté à essayer de toucher la moto alors qu'on n'a pas le droit, donc on essaye de mettre soit les mains dans les poches ou les mains derrière le dos. Moi, c'est vrai que j'essaye de coordonner tout le travail de ces gens-là avec le travail des gens sur les points d'assistance, qu'on appelle les CH, les time check, et pour le mieux, et s'il faut renforcer, je renforce un poste où il y a besoin. Seuls les pilotes trophées ont leur mécano habituel à leur côté. Alex Bazin avec Nambotin, Ludo Kiffer avec Charlier, Corentin Pochet avec Taroux et Nico Dumény avec Larieux. Ouais, ça fait 2 ans que je travaille avec lui. Quoi. À force, il y a une cohésion, mais on devient un peu plus proche. On se connaît un peu plus. On n'a pas besoin forcément de se parler des fois pour... savoir ce qu'il faut, savoir ce qu'il veut, donc ça c'est pas mal. Bah, on s'entend vraiment bien et puis les résultats sont là, donc tout le monde est satisfait. Les mécaniciens des jeunes sont sur les CH et puis ils sont le soir, on essaye de les faire rentrer le soir au plus vite et au mieux, qu'ils soient présents quand même pour assister leur pilote pour la mécanique du soir. Et alors, parmi les pilotes, lequel est le meilleur mécano? Je pense que par l'ancienneté, de toute façon, Nambot, pour cette année, c'est lui qui maîtrise le mieux le sujet. Et bon, on voit qu'il est quand même bien à droite de ses mains. Mais lui, il a encore perdu. Encore une boussole. Le gamin, il s'est perdu. Non, je ne suis pas perdu, j'ai fait pareil. Oh, je joue la boussole. Malgré ton GPS, c'est ta carte, t'as essayé de perdre. Ah, ouais. Les mécanos sont des pièces maîtresses de la réussite des pilotes, même s'ils sont concurrents le reste de l'année. Sur les 6 jours, ils forment une vraie équipe qui ne manque pas de rigoler quand ils sont sur les routes entre les spéciales et les CH. Ici, ouais, voilà, c'est soudé, on rigole. On l'appelle la boussole parce qu'il se perd tout le temps. Ouais, voilà, le temps que là il y a la bonne ambiance, on rigole, c'est le principal. Après cette tranche de rigolade, place à la course sur la même boucle qu'hier. Et du côté des féminines, une place gagnée au général. Elles sont sur le podium provisoire derrière l'Australie et les USA. Audrey Rossa est 11e du jour après avoir bien assuré sans jamais chuter. Juliette Bérez est quant à elle 9e de la journée, même si elle a souffert dans les spéciales trop défoncées à son goût. Enfin, Samantha Tiché est toujours chef de file de nos féminines tricolores. Elle termine 7e malgré une chute qui lui a fait perdre beaucoup de temps. Sans ça, elle l'assure, elle aurait terminé 5e de la journée. Du côté des jeunes pousses du junior, ils sont 2e au classement provisoire et les 3 sont dans un mouchoir de poche. Jérémy Miroir termine 12e de la journée. Il a voulu assurer car les pièges étaient nombreux. Il a bien roulé dans l'herbe. Pour lui, l'esprit d'équipe est primordial pour aller au bout. Anthony Gesselin est juste devant au classement à la 11e position. Très content de la 300 de Tambetta, le Basque n'a pas fait de faute et semble plus motivé que jamais. Enfin, Hugo Blanjou est 10e de la journée malgré une belle chute dans SP4. Ni lui ni la moto ne sont abîmés, c'est le principal. Enfin, l'équipe trophée avec une belle opération car ils ont encore repris du temps sur leurs adversaires. Les Bleus comptent 4 minutes 19 d'avance sur les Australiens. 11e scratch, Jérémy Taroux a un peu souffert aujourd'hui dans le défoncé. Un peu en deçà physiquement, il a profité de sa place au départ pour éviter de rouler trop dans la poussière. Malgré tout, il chute dans la ligne et perd une dizaine de secondes.
Christophe Charlier est quant à lui 8e de la journée, 3e en E2. Le Corse a bien dû apprécier rouler dans les ornières défoncées. Quant à l'herbe qui le gênait hier, il ne restait plus grand-chose dans la SP4. Loïc Larieux est 6e du jour. Il a notamment été gêné par la poussière due à sa position derrière des garçons qui, certes, roulent moins vite que lui, mais dont la vitesse ne permettait pas aux Français de pouvoir franchement doubler. Il retient surtout de bonnes sensations dans la spéciale du paddock. Enfin, Christophe Dambotin tient bon. Il mène toujours le scratch, même s'il termine 5e aujourd'hui. Les consignes étaient claires, il fallait assurer les deux premiers jours pour attaquer à partir de mercredi. Les performances sont là, les Français devraient encore continuer à nous faire rêver d'ici la fin des 6 jours, mais la pluie risque de s'inviter dès demain. Bye bye.